s'est pas si mal passé, en fin de compte. Moi, j'aurais rien dit, mais ça fait partie du plaisir d'être... Et tu es loin d'avoir tout vu, Batou. Je dois savoir ce qui est arrivé à Barbara. Ils ont couvert leurs traces en désactivant les caméras de sécurité de la tour de l'horloge. Si je piratais le système de vidéosurveillance de la ville, je pourrais contrôler tous les points d'accès au bâtiment. Il n'y a rien ici qui indique comment Barbara a été enlevée, ni qui a fait ça. Non, ça ne marchera pas. Je dois trouver comment Barbara a été enlevée. Oh, d'accord. Ça n'aide pas. Il faut que je trouve qui a enlevé Barbara et comment ils l'ont transportée. Je dois trouver qui a enlevé Barbara et comment. C'est le chevalier d'Arkham. Il tient Barbara. J'ai besoin de savoir dans quelle voiture il l'a emmenée. Là, c'est le véhicule dans lequel ils ont enlevé Barbara. Ce sont des pneus HammerTech D60. Je peux programmer la Batmobile pour suivre leurs traces de pneus. Ça me mènera directement à eux. Mais bien sûr. Tiens, une question me taraude. Comment l'épouvantail a pu s'en prendre à ta technicienne informatique? Moi, quand je lui ai tiré dessus, j'ignorais qu'elle roulait pour toi. C'était un coup de chance. Sérieusement, c'est la tête que je visais. Ah, si seulement j'avais eu un caméscope le jour où Barbara est tombée à mes pieds. Ce pauvre Jim n'a eu droit qu'à un diaporama. Les traces de pneus me mèneront à Barbara. Je peux les suivre grâce au scanner de la Batmobile. Alfred, je veux le nom du chevalier d'Arkham. Moi aussi, Maître Bruce. Il n'a certainement pas choisi ce nom par hasard. Par où voulez-vous commencer ? Arkham City. Consultez les dossiers de tous les détenus qui ont été libérés suite à la mort de Lestrange. Et Alfred ? Monsieur. Il savait pour Barbara. Activez les protocoles de sécurité de la Batcave. Ne relâchez pas votre attention. Creuser un sillon dans la route. Oui, je le vois. Des dispositifs similaires apparaissent dans toute la ville. Je mène l'enquête. Je dois examiner ce dispositif. C'est peut-être dangereux. C'est une bombe, Alfred. Et elle est bien protégée. Oh, ciel. Dans ce cas, monsieur, ne devriez-vous pas vous éloigner de la zone ?
Je vais établir un lien à distance avec le bat ordinateur et lui envoyer tous les virus en stock. Une fois qu'on sera passé, je pourrai accéder au noyau et le neutraliser avec une explosion contrôlée. Très bien, monsieur. Je dois cependant vous signaler que la milice a déjà déployé un peloton de tanks pour vous arrêter. Ils essaient. Monsieur, le téléchargement du virus a déstabilisé le dispositif. Si vous vous éloignez trop et perdez la connexion, tout sera rasé sous petit pas des maisons. Ils tentent de désamorcer le dispositif, comme vous l'aviez prévu. Les drones ont été déployés. Je sais, chef. Je vais l'écraser. Tire direct sur le rattleur. Le blindage résiste. Unité du chaudron, hors ligne. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Cet avertissement a été diffusé publiquement. Je suspecte le chevalier d'Arkham de vouloir dissuader toute intervention extérieure. Bordel, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il nous file le train, t'arrêtes pas! Bim! Alfred, la piste du chevalier d'Arkham mène à Miagany Island. Abaissez le Mercy Bridge. Impossible, monsieur. C'est bloqué. La milice a dû réussir à s'infiltrer dans le système de contrôle des transports. Trouvez-moi leur point d'accès. Bien. Si je suis le trafic du réseau, il semblerait que tout soit redirigé vers... la gare de Grande Avenue. Alors c'est forcément là-bas. Je vais y aller à pied et prendre le contrôle de leur point d'accès. Je vous contacterai quand vous pourrez abaisser le pont. Prenez garde, monsieur. Les drones et les troupes de la milice quadrillent Miagany Island. Ah, oh, c'est des flics. Ah, mais c'est le GCPD, d'accord. Ok, ok. 4 points. Ah ouais, ça peut être intéressant ça si je prends beaucoup de dégâts. Réduit le temps de chargement du canon 60 mm et augmente la cadence de tir. Ça peut être intéressant aussi.
Ah non, c'est plus bas qu'il faut aller. La milice du chevalier d'Arkham a envahi la gare. Je dois les neutraliser et trouver le point d'accès qu'ils utilisent pour pirater le réseau de transport. Caméra volante, avec un taser. Cool, on en aura besoin. Tu crois qu'il veut venir? Forcément. Le chevalier d'Arkham vient d'enlever son ami. Avec le drone, il nous prendra pas par surprise. Y a pas intérêt, si Batman accède au terminal, je sais pas ce que les pouvantails et le chevalier vont faire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'usine chimique a sauté, mais je vois pas de nuages de toxines de terreur. Batman est arrivé. Il s'est pointé, a massacré trois de nos unités, pratiquement capturé l'épouvantail et arrêté l'explosion. La vache. Alors il est aussi bon que le chevalier d'Arkham le dit. Oui. Pas de doute. Tant qu'on contrôlera les transports, personne n'entrera ni ne sortira de la ville. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est ce qui me semble. Je me suis planté de l'illumination. Le mec, il est trop con, il m'a pas vu. Les hommes du chevalier d'Arkham sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser les ponts. Ça? Oh mince! Avec tout ce remue-ménage, j'avais oublié! Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Jim passera l'éponge si tu la sauves? Il est rancunier, Batou. Tu peux me croire. Alfred, j'ai réactivé les commandes du pont. Formidable! Je relance immédiatement le réseau. Laisse tomber les montagnes! Il était temps d'affronter son vrai Val. Oh seigneur, est-ce bien qui je crois? Nigma. Contactez-moi quand vous serez prêt avec le pont. Petit Eddy, pourquoi Batman visite un orphelinat abandonné? Eddy, mon chou, tu me confonds sûrement avec Robin. Monsieur le Barbaraki et moi, on n'est pas si proches. Oh, 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 je sais! C'est à cause de ce qui peut arriver à son ami Fripuline s'il n'arrive pas à le trouver ici. Choqué, chevalier noir, et étonné? Tu n'y attendais pas, hein? C'est parce que tu n'es pas de taille contre moi, Edward Nigma, l'homme mystère. Ton supérieur intellectuel. Pensais-tu que je verrais notre dernière rencontre, chevalier noir? Tu vas me humilier! C'était pas juste. C'est absolument impossible. Tu peux pas. J'ai dit je me moquerai des tentatives de réunion des justes. Je voudrais une réunion du monde dans ton canal de tienne. Et alors que toute lueur n'est pas la leçon que j'aurais infligée sur
Un héros, c'est facile. Je piche pas. Vous voulez fumer Batman? Alors, oubliez les... L'homme mystère a enlevé Catwoman. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien, je le jure. Je l'ai juste ligoté et laissé à l'intérieur. Pourquoi? À quoi joue Nigma? J'en ai aucune idée. Je l'ai juste amené ici, j'ai placé des trophées dans la zone, c'est tout. Vous devez me croire. Je te crois. Ah, c'est ici Bristol et il y a un corps attaché à un toit. Ouais, c'est lui. J'ai hâte de voir Batman et le chevalier d'Arkham s'affronter. Alfred, j'ai trouvé un autre corps. Le mode de mutilation semble identique à celui des précédentes victimes. Il semblerait bien qu'un tueur en série sévisse à Gotham. Et moi qui pensais pourtant que les choses ne pouvaient pas être pires. J'analyse le corps pour trouver des signes particuliers. J'ai déjà vu des formes de cicatrices comme celle-là. Il s'agit d'une morsure. Le diamètre correspond à une espèce de stalagmorphe. Cette variété spécifique de requin se trouve exclusivement au large de la côte nord de Gotham. Balle de golf ? Ah non, c'est un œil de verre. Une prothèse oculaire. Ce type d'acrylique chirurgical particulier n'a été utilisé qu'une fois, pendant un test, il y a 5 ans. Le haut du bras présente des traumatismes. Des vis en titane ont été implantées pour soigner une fracture de l'humérus. Lisa Mendes. Alfred, le nom de la victime est Lisa Mendes. Ah, la pauvre a eu une vie mouvementée, monsieur. Orpheline à 9 ans, elle connaît plusieurs familles d'accueil avant de sombrer dans la drogue. Puis elle s'initie au surf et perd son fiancé dans une attaque de requin. Elle travaille pour une association caritative de Tucson, Arizona, lorsqu'elle disparaît. Encore une personne enlevée hors des murs de Gotham. Un détail d'importance. J'ai envie de dire que pour une femme, oui, elle a des gros doigts quand même. Essayez d'établir un lien entre les deux victimes localisées, Alfred. On leur trouvera forcément un point commun. Je ferai mon possible, monsieur. Bon, allons sauver Catwoman. Tu es venu tuer à côté des brutes et des voyous de Califo.
Batman, ça a intérêt d'être toi. Et tu as plutôt intérêt d'être des... On reste calme. Est-ce que tu vas bien? À merveille. Quelle petite fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir? On s'en va. Toi peut-être, mais pas moi. Ah, enfin tous les participants sont là. Ce soir, il y aura des énigmes à gogo. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mes chers acolytes. Ah, j'en ai eu assez de compter sur ce que les désespérants bavons de Gotham avaient à offrir en termes de main-d'œuvre décérébrée. Pourquoi s'encombrer d'humains quand on peut concevoir, programmer, construire et produire rien mieux soi-même? Ah ouais, stylé. Ok, stylé. Ah oui, du coup, ça te fait permettre de changer de personnage en même temps. Vous faites la paire, tous les deux. Ensemble, vous êtes juste assez talentueux pour survivre. Ça va être le moment. Je te réserve bien plus que les choses sur lesquelles elle a planté. Boom! Je suis sûr que tu as apprécié, détective. Ce sera le meilleur moment de ta vie, tu crois. Vois-tu, chevalier, cette facétieuse babéline s'est vue offrir un collier flambant neuf de mon cru. À chaque défi réussi, tu empoches une petite clé. Récupère toutes les clés et c'est la liberté. Force si tu l'oses et le chaton explose. Mais ne désespère pas, chevalier noir. Tu as déjà réussi un défi. Voyons dans combien de temps tu vas perdre ta longueur d'avance, trébucher et tomber lamentablement. Tomber la monte dans ton bolide supersonique et fonce à Chinatown, détective. Ton deuxième test t'attend là-bas. Chinatown t'attend là-bas. Je reviens vite. Tu reviens tout de suite, oui? Les gars comme Eddie me fichaient la paix avant que je commence à être gentil avec toi. Tu n'es pas du genre à te faire attraper. C'était une embuscade? Un chantage? Un piège? Il m'a invité. Quoi? Il m'a proposé un boulot. Un boulot? Oui, de type chapardage. Je suis plutôt douée pour ça, tu te souviens? Tout le monde ne se balade pas sur les toits toute la nuit dans le but d'aider les gens, espèce de boy scout ténébreux. Bon, où est ma clé? Ne me fais pas attendre. Maître Bruce, j'ai repris le contrôle des ponts. Très bien. Je vous contacte dès que je suis en position à Mercy Bridge.